Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Baptiste Marchais. Baptiste Marchais, présente-toi. Bah écoute, je suis content de venir déjà. Merci. Maintenant, tu peux ce qu'on va faire. Moi, je suis à la base, je suis champion de développé couché. Mm-hmm. J'ai le record de France actuel dans la catégorie des moins de 100 kilos, toutes fédérations confondues, avec une barre à 235. Mm-hmm. J'ai toujours été compétiteur. Moi, mon background sportif, j'ai toujours été compétiteur en développé couché, donc c'est vraiment ma spécialité. Donc je t'avoue que tout ce qui est ton domaine, la kettlebell, etc., c'est quelque chose qui est assez éloigné de ce que je fais d'habitude. Les gens, ils peuvent me connaître des fois aussi de ma chaîne YouTube. J'ai la chaîne YouTube. Parle-nous-en justement, parce que c'est comme ça que j'ai découvert avec ta chaîne YouTube. Ouais, Bench and Cigar. Voilà, ça, j'ai la chaîne YouTube Bench and Cigar. Là, on vient de passer 90 000 abonnés. Mm-hmm. On est content, je sais pas quand ta vidéo sort, mais voilà, on a la chaîne qu'on a démarrée il y a 6 mois qui cartonne. Qui est une pas chaîne, mal. Moi, en fait, je l'ai découvert grâce à cette chaîne, et cette chaîne, elle est très sympa. Il aborde plein de sujets. En plus, il y a une bonne ambiance, c'est relativement cool, détendu. Et je vous invite vraiment à aller sur sa chaîne parce que bah, moi, c'est comme ça que je t'ai découvert, ouais. C'est comme ça que j'ai pu apprécier un petit peu le personnage. Et j'invite tout le monde en fait à aller voir un petit peu le travail qu'il fait parce que c'est relativement sympa et j'aime beaucoup en tout cas. Bah, merci mec. Bah, après, oui, c'est vrai qu'on a fait une chaîne. Il n'y a pas que du sport quoi. Voilà, ouais. On a fait une chaîne un peu de lifestyle, on présente un peu tout. Les gens, ils ont beaucoup accroché quoi. Donc ça fait plaisir. Il y a plein de gens qui m'ont connu à. Par rapport à ça, mais à la base, ma première activité, c'est celle de sportif. Ouais. Voilà. D'accord. Bah justement, moi, en fait, si je t'ai fait venir, c'est pour te faire découvrir mon activité, parce que c'est vrai que moi, le kettlebell sport en France, on a quand même un peu de mal à imaginer ce que c'est. Les gens, ouais. Ils se rendent pas bien compte. Parce moi, qui suis vraiment dans le domaine des sports de forme, de force, je connaissais la discipline sans vraiment connaître. C'est-à-dire, je me rendais pas du tout compte du type d'épreuve que vous aviez, tout. Ouais. Bah comme ça, en fait, tu vas pouvoir juger par toi-même et avoir un avis objectif, en fait. Sur la difficulté un petit peu de l'épreuve comme elle est. Je te mettrai sur une épreuve relativement courte, hein, qui est un peu plus adaptée à ce que tu peux faire actuellement. Et puis, bah, tu nous donneras tes ressentis. Et c'est un peu ce qui m'intéresse pour que les gens qui suivent un petit peu ma chaîne aient en fait des retours d'autres champions, d'autres disciplines qui sont un peu plus connues et qui puissent dire, bon bah voilà, ce sport, il est comme ci, comme ça, avec un avis vraiment objectif. Oui, toi, en fait, c'est ce que tu vas faire, c'est une série de vidéos que tu vas faire, tu vas inviter des athlètes d'un peu de toutes les disciplines au milieu de la, autour de la force, de la forme, etc. Voilà. Et pour qu'on se teste en fait un peu à ta discipline et voir. Et qu'ils aient un point de vue objectif, ouais, parce que hein. Si tu veux, d'un point de vue extérieur en vidéo, les gens ne se rendent pas compte, alors que quand on teste, on a tout de suite un point de vue qui est plus juste, quoi. Bah, je pense que c'est vrai que pour des mecs qui sont complètement extérieurs au milieu sportif, ça doit pas trop leur parler. Pour des mecs comme moi, etc., qui sont déjà dans un domaine, quand tu commences à voir les épreuves, à voir les temps et tout, par rapport à ce que tu m'expliquais, ça paraît complexe déjà. Et puis la manipulation de l'outil. Ça, par contre, on l'a pas. Voilà, ça, par contre, faut tester l'aspect technique. Quoi, c'est ça qui est un petit peu plus. Je pense en fait que ce qui sera le plus dur pour toi, ce sera pas la charge, c'est l'outil en lui-même, l'instabilité. Et les règles qu'on a posées autour de tout ça, en fait. Bah, c'est clair, déjà, tout travailler en unilatéral comme ça, c'est pas quelque chose qui est évident pour moi, qui vient du bench où c'est vraiment une discipline où tu pousses symétriquement, quoi. Mais là, je te mettrai en double, par contre, pour rester quand même un peu plus proche de ce que tu fais. Ok, ok. Voilà. Comme bah, ça, écoute, ce sera... Bah écoute, je suis prêt, moi je suis partant, je suis chauffé, donc après, allez, on peut y aller, quoi. Alors, Baptiste... Là, c'est le premier mouvement que tu veux me faire faire, c'est ça? Alors, attends, je vais pas te présenter le mouvement, je vais juste t'expliquer un petit peu tous les mouvements qu'on a en compétition, parce qu'en fait, les kettlebells, on peut faire des milliards de choses avec. Oui, parce que la kettlebell comme ça, c'est vraiment la kettlebell classique que tout le monde connaît, qu'on a dans les salles. C'est une kettlebell classique. Après, il y en a qui diront que c'est le modèle compétition. Alors oui, parce que en fait, c'est standardisé, toutes celles que tu as, les poids sont différents. Vous avez genre des diamètres, des machins, tout, c'est ça. Mais il y a un diamètre standard, en fait. Donc ça, c'est une kettlebell donc classique comme tu as dans les salles, mais qui correspond à vos standards de compète. Voilà, c'est les standards de compétition en fait. Okay. Voilà. Après, il y a plusieurs marques différentes, mais ça, c'est les standards. Donc tu peux faire plein de mouvements avec ça, tout ce qui est la partie fitness par exemple. En soi, c'est un poids. Et là, on a quelqu'un qui est extrêmement connu, qui s'appelle Steve Cotter, que je salue au passage, qui est le président de l'International Kettlebell Fitness Federation. Donc lui, qui s'est concentré en fait sur la partie fitness avec les kettlebells. Donc ils font plein de choses. En fait, lui, il fait genre de la préparation physique, des trucs comme ça, en se basant sur le sport, le kettlebell sport. Il a repris en fait les mouvements du kettlebell sport. Il a inventé aussi des mouvements. Et il l'a adapté à une partie et il l'a adapté pour de la condition tout le monde. Physique, voilà, c'est un concept qui fonctionne très bien. Et Steve Cotter, c'est une des plus grandes personnalités en fait des kettlebells dans le monde. Mais parce que dans le monde du kettlebell sport, c'est un athlète à la base. Il a fait un peu de compétition, mais c'est pas un athlète qui a été très très haut. Par contre, c'est quelqu'un en fait qui s'est vraiment intéressé à
tout ce qu'il y avait autour des kettlebells, tout ce qu'on pouvait faire okay. avec... Okay, il a développé le voilà, truc. Voilà, dans un cadre de préparation physique spécifique. Lui, il vient du kung-fu à la base, tu vois, et il s'intéressait à tout ça. Donc, je le salue au passage. Je lui avais dit que je lui dirais un petit dédicace. Voilà. Moi, ce que je vais te montrer, par contre, c'est uniquement les quatre mouvements qu'on a en compétition. Parce il n'y a que quatre mouvements qu'on peut être. Il n'y a que quatre mouvements okay. en compétition. Ok, vas-y. Donc, en simple et en double, d'accord. Alors après... Ah oui, parce que les mouvements, c'est ou unilatéral ou double. Ou double, okay. Ça dépend des épreuves. Donc, il y a des épreuves qui se font que en simple, et il y en a d'autres qui se font en double et en simple. Voilà. Okay. Donc, je ne vais pas te montrer le swing, on verra ça après, on fera un petit délire après. Le swing, ce n'est pas en compète. C'est pas en compétition. C'est de l'assistance. C'est la base, en ouais. fait. C'est un mouvement d'assistance, en fait. D'accord. Okay. Donc, le premier mouvement qu'on a uniquement en simple, c'est ce qu'on appelle le snatch. Okay. Donc ça, en fait, c'est un swing complet, si tu veux. Le swing, ça va être là ou là, selon la hauteur que tu lui donnes. Et bien là, tu le finalises et tu as le snatch. Donc en fait, la différence avec le snatch d'haltéro, c'est que ça part pas du sol. Non. Tu l'as entre les voilà. jambes. Nous, okay. systématiquement, on ne doit pas poser, en fait. Ouais, c'est okay. les règles dans la compétition. Mmh. Si tu poses, ça s'arrête. Donc ça, c'est le premier mouvement, c'est le swing qu'on va retrouver dans une épreuve traditionnelle qui s'appelle le biathlon. Avec le jerk, et c'est ça que je te ferai tester, donc le jerk se fait en double et en simple, moi je vais te le montrer en double, et c'est ce mouvement. Donc c'est de l'épaule voilà. jetée d'haltéro finalement. C'est du jeté tout simple. Sauf que tu passes pas par la casse sol. Voilà. Et que c'est pas pareil, que les deux mains font pas le même mouvement. Voilà. Ok. Donc en fait on va partir d'ici. Ah non, toi il n'y a pas de clean and jerk, c'est que du jerk. Pour l'instant je te montre que le jeté. D'accord. D'accord, okay. c'est ce que je te fais faire. Une fois, mais après en fait voilà. ce qui compte c'est ok. Si tu veux l'épaule jetée, c'est ce qu'on appelle nous le long cycle. Donc tu reviens ici, tu montes. Ok. Voilà. Et maintenant, je te montre le mouvement que moi je fais qui s'appelle le double à snatch. Donc qui correspondrait à un arraché en fait, tout okay, simplement. Ouais. Ok, ok. Ouais, c'est vraiment ça en fait. Là, c'est vraiment le mouvement d'haltéro mais adapté avec le kettlebell quoi. Voilà. Et sans avoir le côté inerte au début quoi. Donc là moi le mouvement que tu veux que je fasse c'est donc du jeté quoi. Le jeté, simple. Donc le jeté. Faut que je les monte au moins une fois. Voilà. Et ensuite ce que je vais t'expliquer, donc il y aura une partie technique à bien expliquer, ouais. que je vais t'expliquer. Alors il faut savoir une chose, c'est que ça part du bassin. Donc il faut pas avoir les coudes ici. Okay. Sinon tu vas souffrir, c'est toutes tes épaules qui vont faire le travail en ouais. fait. Il va falloir que ça parte du bassin et que tu fasses un transfert des forces des jambes bassin, puis pour finir avec une stabilisation des épaules. D'accord. Okay. Donc en gros, c'est ça. Okay. Et si tu regardes bien, en fait, là, c'est encore mes jambes qui travaillent. Bien sûr. Ouais, ouais. Les épaules, elles font 20-30% du travail, mais c'est de la stabilisation avec les triceps. Tu vois. Okay. C'est pour pas que ça fasse ça à la fin. Il faut avoir les bras bien parallèles, bien alignés. Et si tu regardes bien, en fait, là, ici, tu peux regarder. Enfin, je vais pas te demander de toucher mes cuisses, mais tu peux regarder mes cuisses. Elles sont totalement relâchées. Ah ouais, ok. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, je fais passer. Droit, en fait, c'est voilà, ça je fais passer la charge sur ma dernière vertèbre, pardon, ouais. par l'intermédiaire de ma dernière vertèbre, et je finis sur l'avant. Oui, en fait, en appui sans contrainte. Voilà, je suis parfaitement aligné. Ah, et ouais. donc, c'est ce qui nous permet de passer d'une phase de contraction à une phase de décontraction musculaire. Et c'est ce qui nous fait tenir, en fait. Oui, parce qu'en fait, le but, normalement, vous, dans le sport, c'est de faire ça. Mais sur une longue durée. Exactement. Donc d'où l'intérêt d'être le maximum relâché. Voilà. Ok, ça va être chaud pour moi, parce que moi c'est tout l'inverse. Donc ce qu'on va travailler en fait, c'est que te dire qu'en fonction de ta morphologie, donc toi, tu vas devoir te positionner comme ceci. Voilà. Déjà, vois, on va déjà être dans la complexité au niveau du mouvement. Déjà là, on a une contrainte. Oui. Donc pour aller chercher en fait le contact, parce que ton ventre va être très utile, parce que ouais. c'est lui qui va faire le support. On va donc avancer le bassin, arrondir le haut du corps. Voilà. Comme une garde de boxeur. Tu donc vois. Les épaules en avant. Voilà. Oh et essayer d'avancer tout ça. Voilà. Et donc, avec le poids, forcément, ça va te baisser un petit peu. Ouais. Tu vois. Et donc, tu vas te retrouver dans cette position. Ouais. Et c'est de cette position que tu vas transférer la force du bas du corps sur le haut. Mais pour y arriver, en fait, il ne faut surtout pas faire comme en haltérophilie, c'est-à-dire sortir les fesses. Il faut descendre ce qu'on appelle en 6-6 squat. Et oh c'est là où ça va être compliqué, parce qu'en fait, tous tes muscles des cuisses, là, ils vont savater très ouais. très vite. Et il ne va pas falloir rester longtemps en 6-6 squat, parce que tu vas voir, ça tire énormément sur les cuisses. Donc, il va vraiment falloir être très très rapide au moment de la flexion, extension et glisser sous la charge. J'essayais avec des kettlebells pas lourdes peut-être, non ? Bien sûr, bien sûr. Alors ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite partie technique
Et après, on revient pour le petit test. Ouais, vas-y, okay, ouais, ça marche. Donc en fait, il faut que tout le poids repose ici. D'accord, ouais. Là, il ne faut pas qu'il y ait de jour. Si tu as un jour qui est ici, tu vas créer une tension dans ton avant-bras. D'accord, okay. Donc ça, c'est la meilleure position. Tu relâches tes doigts et elle ne bougera pas comme ça. Ok, si jamais... pas d'en serrer, alors. Non, absolument pas. Si jamais elle bouge un petit peu, là, elle va commencer à trembler, à arriver en haut et ça va être vite l'enfer sur les épaules. Ouais, bah, évidemment. Vois, donc, il faut vraiment que tu sois calé comme ça, tu vois. Voilà. Ensuite, la seconde étape, on va rapprocher tout ça. Et tu as le droit d'approcher tes mains et les croiser pour te reposer. Ce qui va te permettre d'avoir un confort supplémentaire. Ça me repose bof. Hein. Ça va te permettre d'avoir un confort supplémentaire. Alors déjà, là, ce que je te propose, c'est déjà faire une presse pour visualiser la chose. Alors, regarde-toi, hop. Ouais. Tu vois, lorsque tu arrives ici, la boule est à l'intérieur. C'est pas ce qu'il faut. Le problème, c'est que tu vas te mettre en danger. Parce que regarde ton épaule, si tu la vrilles là, ouais, elle va pas aimer. Il faut que la boule, elle soit où? Donc, remonte et je vais te la positionner. Alors, attends, déjà, il faut que je parte comme ça, c'est ça? Voilà, croise, okay. Comme ça, tu es plus en confort. Ouais, okay. Vas-y, monte. Et il faut que je fasse quoi, voilà, comme ça? Donc, rapproche tes bras, il faut qu'ils soient parallèles et que la boule, elle soit le plus autant ici que ici. Et pas trop à l'intérieur. Et toi, tu dois bien tendre tes bras. Tends bien tes bras. On ouais, est à fond, là. Ouais, bah, je suis à fond, ouais. Oh, putain de merde. Ça va être dur pour toi. Donc, voilà, il faudrait que tu sois idéalement ici. Ah ouais, mais c'est impossible parce que voilà, là, mes trapèzes, ils m'empêchent de respirer. Donc, en gros, il faut que tu sois comme ça. On va dire comme ça, dans le meilleur des cas. Et quand tu vas redescendre... Mais là, je suis pas relâché du tout. Quand tu vas redescendre, tu vas utiliser ton biceps pour les reposer dessus et pas ton épaule. Comme pour ça. Pour éviter de frapper l'épaule. Voilà. Et ensuite, tu vas revenir te positionner comme ça, d'accord, okay. Et de cette position, là, il va falloir que tu... Là, quand je suis comme ça, il faut quoi? Que je sois comme ça ou comme ça? Après, je vais t'expliquer. Okay. Je t'explique juste le haut pour l'instant. Voilà. Tac. Ça va être la position du haut que tu vas devoir garder. Ensuite, il faut faire ce transfert des forces. Pour avoir le transfert des forces, il faudrait, idéalement, que la crête iliaque, le coude soit en contact avec la crête iliaque. Ce qui, là, n'est pas possible. Donc, on va utiliser le ventre, d'accord? Lui, on peut le mettre en contact. Par contre, il faut que tu fasses une rétroversion du bassin, d'accord? Antéversion, pardon. Bassin en avant. Ah oui, en avant. Ouais, c'est antéversion en avant. Ouais, antéversion, voilà, en avant. Donc, tu fais une antéversion du bassin. Et de là, tu vas partir donc en 6-6 squat. Donc, tout le poids du corps est sur le talon. Tu pars en 6-6 squat comme ça, voilà. Ouais. Et de là, tu vas faire comme si tu sautais. Et ah, ensuite, une fois que tu es ici... Mais moi, ça tourne vraiment à l'intérieur. Voilà, ça, il va falloir que tu essayes de le contrôler. Voilà. Donc, ah non, comme ça. Voilà. C'est ça? Voilà, donc là, c'est un push press. Ouais. Okay, oui, c'est ça. Plus ton bras va être écarté, plus ça va être galère. Il va falloir que tu rapproches à l'intérieur. Donc, une fois que tu as fait ta flexion, que tu pousses et que tu arrives ici, tu te laisses tomber. Ouais. Ouais. Ok. Ah oui, mais il faut que je me laisse tomber. Voilà. Ça, j'arrive. Ça va être long, ça. C'est une fois que j'arrive où que je me laisse tomber? Une fois que tu vois tes coudes, en fait, tu relâches et tu te laisses tomber. Je vais te dire top, et au moment du top, tu relâches, d'accord? Ouais, mais attends, j'ai du mal à saisir ce que je... à comprendre ce que je veux faire, tu vois. Sauf faut que je me top. Pousse. Ah ouais, ouais, putain. Faut que je lâche avant. Hein. Voilà. Quelle horreur. Il va falloir... En fait, c'est toute une question de vitesse. Ouais, ouais, je vois ça. Top. C'était mieux, là, non? Là, t'es juste en push-press. Tu fais push et press, ouais, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est que au moment où tu vas fléchir, d'accord? Dès que tu vas faire ça, moi je vais te dire top, et là tout de suite, boum, tu relâches tes cuisses et tu tends tes bras. Et je retombe comme ça. Voilà. Ok. Top. Pose les kettlebells, et ce qu'on va faire, on va le faire sans les kettlebells. Bah ouais, déjà sans les kettlebells, à mon avis, ça va être compliqué d'arriver à ce schéma-là. Donc, regarde. On va prendre la position où tu es comme ça, et tu es en extension pointe de pied. Tu es en extension pointe de pied, voilà. Là, donc, tu dois ce qu'on appelle glisser sous la charge. Donc, moi, je vais retenir ça, et toi, tu vas te laisser tomber, boum, et tendre tes bras, et le balai ne doit pas bouger. Vas-y. Ah. Et tends tes bras en même temps. Ah, mais il faut tomber vachement bas, alors. Ouais. Vas-y. Donc là, moi, je suis censé être en extension, tu tends tes bras maintenant, et tu te laisses tomber. Voilà, et maintenant, tu te redresses. Ça va être ça, la seconde étape, ok? Mais il faut combien d'années pour réussir à faire ça? En une heure, normalement, je t'ai expliqué. Et ensuite, une fois que tu vas arriver ici, boum, tu vas redescendre. Et tu repars dans cette fameuse position qu'on avait au départ. Bon, là, on était avec un balai, donc la position des mains est différente. Donc là, tu vas repartir en antéversion du bassin, sans par contre
être trop en arrière en haut, parce que sinon tu vas avoir toute la charge qui va se retrouver ici comme et ça va te faire mal au dos. Voilà. Ouais, là, moi je suis mort dans le dos depuis tout à l'heure. Voilà, c'est pour ça. La pousse à fond et ensuite, hop, vas-y, pousse, monte et voilà, nickel. C'est ce qu'on va essayer de faire. C'est ce qu'on va essayer de faire. Okay. Ouais, refais-le avec le balai, sans moi cette fois. Attends. Donc on va essayer de... Hop, pour être encore plus proche du mouvement, en arrondissant le haut, voilà. Et reste pas trop longtemps si tu squats parce que c'est ce qui te crame les cuisses. Ouais. Tu descends, boum, tu montes et t'exploses. Là, t'as sauté très bien, mais t'es pas encore glissé sous la charge. Ouais, je redescends pas. Voilà. C'est hyper dur comme, c'est comme timing. Le timing est très rapide. Alors, si je peux te donner un point de repère, c'est en termes de sensation. Là, tu descends. Au moment où tu fais ça, tes talons ne touchent plus le sol. Quand tu sens que tes talons ne touchent plus le sol, c'est le moment où hop, tu glisses sous la charge. Parce qu'entre la sensation que tu vas avoir de ne plus être en contact avec le sol et la distance parcourue, ton cerveau, lui, il ne réagit pas aussi vite. Ouais. Donc, toi, tu te dis, je ne touche plus le sol, je glisse en dessous. Mais en fait, tu seras déjà là. Oui, bien sûr. Ok. Ok, bon. Voilà. Le seul truc, c'est que pour ton dos, on arrondit le haut, on cale tout sur le ventre et on pousse avec le ventre, en fait. Ah, c'est presque ça. Sauf qu'au niveau timing, t'as glissé, t'étais déjà en haut. Ouais. Voilà. Essaye d'être plus près. Peut-être qu'il faut que je descende un peu plus ou non? Non, il faut que tu sois plus rapide sur tes jambes, uniquement. Tu vois, en fait, si tu restes tendu déjà, là, c'est compliqué. Jambe droite, tu te détends. Voilà. Ok? Oui, comme ça, ça va facile. Comme ça, à moi de le faire, je me mélange les jambons. Vas-y, descends. Non, ah, sors pas tes fesses. Voilà. C'est parfait. C'était mieux, mais sauf que tu n'as pas sorti les fesses. Ouais. Et c'est pour ça que tu as perdu la stabilité. D'accord? Ce qu'il faut absolument, c'est que tu as l'antéversion du bassin. Ouais. Extension. Rétroversion ultra rapide du bassin. Donc en fait, tout se joue ici. Toute la vitesse se joue ici. Il faut être rapide sur le mouvement. C'est bizarre comme ça, mais... C'est compliqué pour moi parce que c'est un endroit où j'ai pas de proprioception. Parce que je le travaille pas, tu vois. Autant j'ai une proprioception totale de toute ma ceinture scapulaire. Tu me dis, il faut contracter, décontracter, ça, ça va. Mais le bassin et le passage de hanche, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Savoir exactement où il est, à quel moment, j'ai aucune proprioception. C'est à l'opposé de ce que tu fais, ouais. Bah ouais, on travaille pas sur les mêmes parties du corps, là. Ah, donc on est vraiment sur une des parties que je travaille le moins, quoi. C'est clair. donc du coup, oui, c'est compliqué, tu vois. Autant toute la partie épaule, etc., bah ça, ça va, tu vois. J'ai un contrôle dessus, mais alors là, putain, ça, rien que de faire ça, là, avec mes pieds et tout, savoir où ils en sont, je suis perdu, tu vois. Ah oui, non, j'attends. Flexion, arrondi le haut. Voilà, on y est presque, on y est presque. Mais je me laisse pas tomber. Tu vas très vite, mais tu ne relâches pas tes muscles. Il faut absolument que tu te dises contraction, décontraction immédiate. Si je peux faire un comparatif, tu boxes, détendu. On boxe pas crispé, détendu, contraction, voilà. Décontraction, voilà. D'accord? Et ben là, c'est l'inverse. Contraction, décontraction, d'accord? En fait, tout est dans la vitesse. L'explosion, c'est ce qui va faire tout le travail. Du coup, c'est là, d'où vient le cafouillage, c'est là. C'est comme tu dois aller vite, tu t'en mets les mains. C'est vrai que c'est l'opposé de ce que tu fais, toi. Ouais, mais en fait, moi, la phase de contraction, décontraction, elle est à ce niveau-là, en bas, tu vois. C'est-à-dire que là, t'as... Mais sauf que c'est contraction des antagonistes, décontraction des antagonistes, contraction des protagonistes. Tandis que là, c'est décontraction de tout, voilà. Ou contraction de tout. Et voilà, c'est ça. Ça me perturbe. C'est l'intégralité du corps qui travaille en même temps. Ouais. Alors, rapproche, voilà, essaye de te dire, je dois être compact, mes jambes vont donner l'impulsion, voilà, et mes bras finissent le travail. C'est-à-dire que tes bras, en fait, c'est eux qui stabilisent tout. Oui. On va se dire, voilà, t'as un piano, t'es en plein déménagement, il faut passer le piano par-dessus ça. Ah, merde, j'y arrive pas, je suis trop... Tu vois, je le piano, il est là, je peux pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas glisser en dessous. Hop. Ouais, mais moi, une fois qu'il est là, le piano, je pousse. Hein. Je vais pas me faire faire. Bon, alors, t'as un camion. Ok, ok. Déjà, les pieds, c'est les pointes comment? Naturel. Ah, ouais, tu t'en fous, ok. Naturel. Du temps que. Oui, tant que t'as pas un pied devant l'autre. Oui, mon truc anatomique, voilà. Quoi. Là. Ok. Cale-toi. Voilà. Cale-toi bien comme ça. Voilà. Antéversion. Et rapide. Pof! Plus rapide. Est-ce que si je... Est-ce que... Voilà, là, t'étais déjà mieux. Est-ce que si moi, je donne le timing, c'est-à-dire que je te dis top, ça t'aide?
Je sais pas. Non. En fait, non, c'est plus d'arriver à le faire en même temps, tu vois ce que je veux dire. Ouais, d'arriver à tout coordonner. Ouais, ouais, c'est de la coordination là qui pêche plus qu'autre chose, tu vois. Voilà. Alors, moi, je vais te positionner. Tac. En fait, quand je me positionne, d'abord, je serre. Voilà. Après, je place comme ça. T'arrondis le haut du corps. Voilà. Rentrer en T-version. Flexion. Je vais te guider. Explosion. Relâche. Trop tard. Voilà. Ouais, pardon. Okay. Ouais. Non, non, t'inquiète. Mais j'ai l'impression que je donne pas de toute façon assez d'impulsion, peut-être. En fait, si tu veux, tu passes trop de temps sur ce mouvement-là. Et du coup, après, tu te concentres que sur ça et oui, tu relâches pas. C'est ça. En fait, il faut te dire une fraction de seconde, une fraction de seconde. Voilà. Mais super rapide. Juste le truc des jambes à faire, c'est comme ça. Je vais chercher. Et après, c'est quoi? C'est juste ça? Alors, regarde dans le miroir, tu vas voir. Je descends. Donc là, je suis contact, flexion. Tu vois? Tu vois dans le miroir comment je suis? Ouais, si tu me donnes le balai, je dois. Regarde. Voilà. Ouais. Tu vois? Ouais, voilà. Je comprends bien. Mais c'est. Ça, pour le coup, là, putain, c'est vraiment pas naturel comme position. C'est pas une position naturelle, ça, ouais, effectivement. C'est clair. Ouais, ouais, surtout que c'est des contraintes que tu te mets que d'habitude, tu t'empêches toujours de te mettre. Ouais, tu vas toujours te mettre, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai appris à descendre comme ça, justement, pour mettre aucune contrainte, tu vois. Que tout le monde fait, ouais, exactement. Bah oui, logique, bah pour faire du squat, quoi. C'est-à-dire, voilà, pour être puissant, c'est normal. Mettre, t'as pas... Sauf que là, sauf en que fait... là, comme le poids est désaxé, en fait, tu vois. Bah, c'est-à-dire que le poids, en fait, ne repose pas ici, comme oui, il c'est va. Ça. Il repose ici. Et on doit tout faire partir d'ici, en fait. C'est la difficulté. Et c'est vrai que ce jerk, c'est pas quelque chose de naturel. Contrairement au swing, par exemple, qui est beaucoup plus naturel. Oui, c'est plus facile. Là, c'est pas du tout naturel. Et de se dire que je vais transférer mes forces du bas du corps d'ici pour pousser un coude qui lui tient une kettlebell, c'est complexe. Alors que c'est beaucoup plus naturel de partir d'ici et de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais l'outil en lui-même fait que, de par sa forme, on le met là parce qu'on a plus d'espace pour le caler. Mmh. Si on le met là, on fait tout en triceps et en épaule, quoi. Tu vois, et on tient pas longtemps. Il faut être compact, il faut faire corps, en fait. Avec ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Allez, vas-y, on repart. Top. Ah putain, à chaque fois, j'oublie de lâcher. Au moment où horrible. Je dis top, ouais. Toi, tu te laisses tomber, ok? Top. Voilà, t'as sauté, mais c'est ça déjà. Ce qu'il faut, c'est pas sauter. Pourquoi pas sauter? Parce qu'en fait, quand tu vas arriver en haut, contrairement à une barre qui est stable, oui, ça là, tu as deux cloches qui vont bouger dans tous les sens et tes épaules, elles vont pas aimer, en fait. Mmh. Tu vois? Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire avec une kettlebell pour que tu te rapproches un peu plus du mouvement. Tu vas la caler sur ton pec, si tu peux, d'accord? Ici, et tu vas refaire le même mouvement. Paf, extension, et au moment où tu es là, tu pousses l'outil pendant que ton bas du corps descend. Voilà, nickel. Bah en plus tu peux la caler là. Oui, nickel. Là c'est mieux, là. Je suis plus à l'aise. Donc là vas-y, tu refais la même chose. Et il faut que je reste. Voilà, rapproche tes coudes le plus possible. Ouais, je suis au plus possible. Je suis désolé. Okay. Mais... Vas-y. Alors attends, juste j'essaye de visualiser un petit peu ce que je dois faire. Là je suis mieux là, ouais. Plus comme ça, hein. Ouais, ça. C'est bien. Okay. Dès que tu descends, t'exploses tout de suite. Voilà, sauf que là on est toujours dans du push press. Ouais, bah oui. Voilà. C'est ce que j'ai appris à faire. Du push press. Hop. Tu vas avoir du mal avec Aurélien et Tengo. Parce qu'ils font du push press toutes les semaines depuis des années. Mais eux, je leur ferais faire du push press, mais avec kettlebell. Ça doit arranger, ouais, ça. Après, on peut le faire hein, si tu veux. Ça, mais ça n'existe pas en compétition. Non. Ouais, bah, c'est ça le problème. Vas-y, flexion. Top. Tout de suite. Au moment où tu vois, t'as fait ça et que t'étends, tout de suite, tu relâches. Presque, voilà. Ah, presque. En fait, c'est de me laisser tomber, c'est... Voilà, c'est d'avoir confiance et de te dire... Là, on avait une petite flexion. Un peu mieux. Ouais. On avait un début. Non. Là, tu fais... En fait, là, si tu veux, tout ce que tu fais, c'est que musculaire. Il n'y a pas d'explosion. Il y a une petite explosion de départ, mais ça reste musculaire. Nous, ce qu'on veut... Ouh, tu vois, c'est vraiment un truc ultra rapide. J'ai l'impression d'être en push press tout le temps. Ouais, mais tu l'es, ouais. Ah oui. Alors, est-ce qu'on va focaliser plutôt sur ton fessier et de se dire que là, il est en avant, tout de suite, je le mets en arrière. Est-ce que ça t'aiderait? Oui, peut-être. Alors, on va focaliser là-dessus. Tu vas te dire, j'envoie mes fesses sur l'arrière après avoir fait ça. Ouais. Alors, j'ai fait ça, tout de suite, j'envoie mes fesses en arrière. Alors, attends.
fessier. Voilà, maintenant, mais il faut chuter. Voilà, c'est déjà mieux. C'est mieux. Hein. C'est déjà mieux. C'est mieux. On commence à y arriver. Ah oui, c'est parce que je n'ai pas, voilà, le dos, c'est pour ça. Là, si tu veux, tu fais ça, tu fais une vague, mais il n'y a toujours pas cette chute. Ouais, machin. Bah oui, ça c'est le plus dur. C'est le plus dur pour moi. Ah, c'est mieux. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. On va le faire ensemble. Tu vas regarder mon image et en même temps, tu vas visualiser la tienne. Ce qui va te permettre en fait de voir à quel moment en fait il y a une différence. Donc fais la même chose, mets-toi comme ça. On avance le bassin. Descends les coudes le plus possible. Voilà. 6-6 squat. Voilà. Okay. T'es à fond là ? Ouais. Enfin, je peux descendre plus. Mais... Maintenant, extension. Il faut que je mette en avant 6-6 squat. Voilà. Extension. Là maintenant, chute ! Voilà, et ensuite on se redresse. On recommence. Ça va en décomposant. En fait, c'est tout faire d'un coup. c'est d'avoir la vitesse en fait. 6-6 squat. Extension. Ah, ouais, tu vois, je suis déjà trop loin. Ouais. Putain. Extension. Chute. Ah ouais, déjà, en fait, déjà, j'ai tendance à me... En fait, déjà, je crois que j'ai visualisé un problème. Le problème, c'est qu'au moment où je veux pousser, comme je veux développer, entre guillemets, vu que tu veux que pousser, en fait. Et ben, en fait, je m'appuie. Voilà. Je me mets en appui, au lieu d'aller comme ça. Tu vois, voilà, ce que je veux dire ? Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pas comme ça. Tu fais pas l'extension complète. Non, j'ai le réflexe de me mettre en appui pour pouvoir développer. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, donc déjà, le problème est là. Il faut déjà que je me sorte ça de la tête. Il faut que tu sortes, en fait, de l'idée de la pousser. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est une explosion. Donc, on recommence. Flexion. Flexion. Extension. Chute. Et là, on se redresse. Extension. Attends. Décompose. Extension. En extension. Chute. C'est ça. C'était ça, mais j'ai pas chuté au bon moment. C'était ça. Mais au moins, t'as le geste. Là, non. Fais le plus lentement. Extension. Extension, chute, tac, tu te redresses, boum, tu redescends, flexion, extension, chute, tu te redresses, on recommence, un peu plus rapide, flexion, extension, chute, on recommence, un tout petit peu plus rapide, flexion, extension, chute, on recommence, flexion, extension, chute, un peu plus rapide, flexion, extension, chute, voilà, maintenant fais-le sans réfléchir. Ah non, j'arrive. Non, dit, mais t'y es. Le problème, ouais, c'est que tu te jettes sur l'avant. C'est, ouais, ce qui te fait perdre l'équilibre. C'est ça. Recommence. C'est ça. Recommence sans réfléchir. C'est ça. Ne te jette pas sur l'avant. Reste droit. C'est ça. Très bien. Continue. Continue. Non, tu l'as perdu, mais on s'en fout. Prends une kettlebell maintenant. Donc, tu refais, tu redécomposes, mais c'est maintenant en ayant l'outil. Voilà. Extension, chute. Boum. Donc, l'extension, elle s'arrête ici, pardon. Excuse-moi. Ici. Et ensuite, tu chutes. Et ensuite, tu te redresses. Alors, dis-toi que ce n'est pas tes bras qui poussent. Ouais, je sais bien. Voilà. Là, en fait, si tu veux, c'est tes bras qui cherchent à pousser. Ouais. Essaye de te dire, je ne les utilise pas et je pousse avec le bas de mon corps. Flexion, extension, redécompose. Flexion, extension, chute. Flexion, extension, chute. Voilà, tranquille. Et tu le fais de plus en plus vite. Flexion, extension. Ah, je l'ai l'extension, mais j'arrive pas à la ouais, chute. Hein, c'est le petit truc. On y est presque. Extension. Au moment de l'extension, essaie de rester un tout petit peu le temps d'apprentissage ici. Oui, mais en fait, tant que je décompose, tant que je marque un arrêt, ça passe. Ouais. Dès que je marque plus d'arrêt, que ça passe pas. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai l'impression qu'en fait, si je décompose, ça va. C'est-à-dire si je me dis, ok, là c'est le moment de la flexion, là c'est le moment de l'extension, et là c'est le moment de la chute, ok, ça va. Mais comme ça doit se faire quasiment en même temps, c'est là que j'arrive plus. Eh ben, marque l'arrêt, et tu vas voir que l'arrêt, en fait, tes muscles vont t'obliger à plus le marquer. Marque-le. En fait, c'est eux qui vont te dire à un moment donné, oh, tu nous fais chier, fais travailler les jambes. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Voilà, tranquille. Extension. Toi, tu lâches les cuisses, lâche les cuisses. Vas-y, au moment où tu es là, tu lâches les cuisses. Boum. Lâche les cuisses.
Ouais, ça veut pas rentrer. C'est ça dur. Veut pas rentrer. C'est normal, c'est vraiment spécifique. Relâche tes cuisses. Relâche tes cuisses. Tu vois, là, relâche tes cuisses. En fait, donne-toi des points de repère. Tu vas dire la pliure de mes bras, ou je sais pas, tu vois, le fait d'avoir la kettlebell ici. Je te dis, je la vois là, oh putain, je me glisse en dessous. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ce qu'on va faire, par souci de temps, parce qu'on n'a pas trop de temps pour tourner. Parce que ça, en fait, c'est un mouvement qui s'appréhende sur des semaines, j'imagine. Voilà, il faut du temps pour appréhender la technique, etc. Et là, effectivement, avec le temps qu'on a aujourd'hui pour tourner, je peux pas t'expliquer la technique complètement. Bah, il faut du temps, voilà. C'est clair. Donc, mais je trouve que les contraintes, enfin directement, ce que moi j'ai comme problème dessus, c'est ça me semble logique. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, le transfert de discipline entre ma discipline et celle-là, on voit directement où est le problème, quoi, tu vois. Mais en fait, j'ai jamais eu personne qui arrivait à faire le jerk comme ça avec les kettlebells. En fait, ça se trouve, pour un mec qui n'aurait jamais rien fait, entre guillemets, c'est plus facile. C'est plus facile. Exactement. Non? Quelqu'un qui fait d'haltéro, j'arrive jamais à lui expliquer qu'il faut partir d'ici. Ouais. C'est très compliqué. En plus, il saute du sol, donc c'est encore plus compliqué. Et un mec comme moi qui va tout de suite chercher les appuis, parce que voilà, c'est tout de suite chercher la force du sol, chercher le transfert, tu vois, force sol, bah, dire, bah non, il faut que tu ailles sur la pointe des pieds et tout, il faut que se lancer, et c'est incompréhensible, voilà. Tu vois. Donc c'est pour ça que par. Forcément. Par souci de temps, hein. Oui, oui. Voilà, c'est pas par souci de compétence ou quoi que ce soit. Ce que je te propose, c'est qu'on le fasse en push press, donc comme tu le fais tout à l'heure. Tu vois, donc tu poussais. Ça, c'est plus à l'aise pour moi. Et puis, on va chauffer un peu le muscle, donc on va monter un petit peu en gamme pour arriver à 24 kg. Et là, on va le faire à 24 kg sur 3 minutes. Alors, l'épreuve, normalement, c'est 10 minutes. Toi, tu serais en open class, donc normalement, ce serait pas 24 kg, mais 32 kg. 32 kg pour ta catégorie. Sur 10 minutes. Sur 10 minutes, voilà. Donc là, je te mets à 24 kg. 24 kg, c'est la catégorie amateur et c'est la catégorie également vétéran. Moi qui suis vétéran qui a 45 ans, c'est ma catégorie, je concours à 24 kg. Ok, ok. De toute façon, je ne pense pas que ce soit le poids le problème. Le problème pour moi, ça va être de tenir dans exactement. Le temps. Exactement. Ça ne va pas être la charge qui va te poser un problème. Parce que même 50 kg, ça ne me dérange pas si je dois faire une rep ou deux. C'est ça. Ce qui va poser problème, ça va être la gestion de l'effort sur la durée et l'outil qui va t'étouffer. Donc c'est là, c'est ce que tu vas devoir gérer. Donc c'est ta position de corps qui va faire tout le travail. C'est-à-dire que si tu essayes de monter uniquement en triceps et en épaules, ça va trembler dans tous les sens et ça va vite être l'enfer. Donc ce que tu vas chercher vraiment le voilà, utilise vraiment tes jambes au maximum, tes bras à la fin. Et au niveau de la respiration, lorsque tu vas fléchir, tu vas souffler. De toute façon, je peux rester autant de temps que je veux ici. Oui, il n'y a pas de problème. Tu vas souffler. Inspirer pour monter, tu vas pas souffler en montant, contrairement à ce que tu fais d'habitude. Tu vas inspirer, tu vas monter. J'inspire en poussant, en développant. Voilà. En fait, c'est des mouvements d'explosion à la base, donc on inspire, on ne souffle pas. Et lorsque tu vas arriver en haut, là, reste environ une seconde et tu te détends avant de redescendre. D'accord ? Okay. Parce qu'en fait, tes phases de repos, elles sont bras tendus. Ou ici, mais c'est pas vraiment des phases de repos, mais c'est le seul moment où on peut se reposer. Ouais, c'est ça. Donc c'est là où on va relâcher les muscles, d'accord? Donc là, je te propose de passer à 16 pour chauffer un peu le muscle et on montera tout doucement jusqu'à 24. C'est quoi les perfs de référence dans ce genre de truc là? Alors à 24 kg en amateur au championnat de France dans la catégorie moins de 75 qu'on a fait récemment. Donc pas ma catégorie. Ouais, j'ai pas ta catégorie cette année. On avait personne dans ta catégorie d'accord, cette année. Donc toute la seule référence que je peux te donner, c'est la catégorie moins de 75. C'est Grégory qui nous a fait ça en moins de 75 à 2x24 en catégorie amateur, mais open, ta tranche d'âge. Il a fait 83 reps à 2x24 kg. En combien de minutes? En 10 minutes. En 10 minutes. Voilà. Le truc, c'est qu'en fait, là, vous, les catégories de poids, ça se passe comment? Quand tu es plus lourd, est-ce que c'est le poids change? Non, le poids ne change pas. Et donc, en fait, les meilleurs perfs ne sont pas dans les grosses catégories, alors? Alors, ce qui est marrant, c'est que sur le jerk par lui-même, d'accord, qui est un mouvement très explosif et très cardio, eh ben des fois, on a pas tant de différence que ça sur les performances. Tu vois, sur les gens qui sont à plus de 100, sur un poids lourd qui est plus de 100, parce qu'un poids lourd, finalement, il va consommer plus d'oxygène. Bah oui, c'est ça, en fait, voilà. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Parce que même, moi, je me dis, la tranche où les perfs doivent être les meilleurs, c'est même celle plutôt du milieu, non? Exactement. C'est là où on trouve les meilleurs. Selon les poids moyens. Après, selon les mouvements comme le mien, qui est le double half snatch, donc là, qui est un mouvement vachement musculaire, plus t'es là, lourd. Là, c'est les lourds, ok. Bah voilà. Évidemment. Donc, c'est vrai qu'en fonction des mouvements, il y a des fois, on se dit, putain. Dans ce mouvement-là, dans ton mouvement, il y a un côté lancé de poids un peu, hein.
Ouais, on peut comparer à ça. Alors, c'est vraiment un mouvement, de, on va dire, de catapulte, en fait. Ouais, hein, ouais, c'est là, ça. Tu balances. C'est un peu un côté où lancer marteau. Et moi, je l'ai choisi parce que, étant donné que j'ai un gros problème de hanche et que moi, normalement, je dois me faire opérer et avoir une prothèse, tu vois. Donc, moi, le jerk, c'est plus trop conseillé pour moi. Le squat, c'est plus possible. Courir, sauter, c'est plus possible. Et ce mouvement-là. Par contre, ce mouvement-là, l'avantage, c'est qu'il me travaille énormément mon fessier. Mmh. Donc, il me renforce toute la partie de la hanche. Et puis, bah, surtout, il me fait un dos ultra solide, tu vois. Mmh. Donc, du coup, bah, ça me permet de continuer à faire de la compétition au haut niveau et de pas être trop impacté. Alors là, on va rentrer les mains bien à l'intérieur. Voilà, pareil de l'autre côté. Tu vois, alors tu restes sur ton push press, sauf que tu vas chercher le confort ici. Plus tu vas avoir les kettlebells proches ici. En haut, c'est comment déjà? Je développe comment? Alors, le mieux, c'est d'avoir les poignets les plus proches parce que tu peux croiser et te reposer là et les tenir. Mais quand je développe? Alors, quand tu vas développer, c'est comme tu faisais tout à l'heure, push press. Voilà. Sauf mais que, pas à l'intérieur les poids, c'est ça? Faut pas qu'ils soient à l'intérieur les poids. Alors les boules, il faut éviter de les faire tourner à l'intérieur. D'accord? Mais donc, attends, je pars d'ici. Voilà, tu montes. Et là, donc, t'es bien. Il vaut mieux que je reste en position neutre au niveau des poignets comme ça. Voilà. Tant au maximum. Voilà. D'accord? Il faut pas écarter tes bras. Plus tu vas les écarter, plus tes épaules elles vont lutter. Il faut les rapprocher plus de ta tête possible. Donc là, utilise beaucoup tes jambes. Voilà. Encore plus les jambes. Par contre, respire. Sinon, tu vas crever. Ouais. Ah oui, donc faut que j'inspire en haut même. Voilà. Respire bien. Voilà. Allez, on va monter en gamme tout doucement. Pas de cramer sur... Ouais. Allez, on va passer à 20 kilos. Ouais, tu peux passer de 16 à 24, je pense, non? Tu veux faire On va y aller tout doucement. Faire 20-24? Ouais. On va y aller tout doucement parce qu'en fait, le problème, c'est pas la charge, encore une fois. C'est la dissymétrie et plus c'est lourd, bah plus ça bouge. Évidemment, ouais. Donc là, ce qu'on fait, on monte vite fait en gamme, on passe avec... Tu fais une étape à 20 avant de faire les 24. Voilà, ouais, c'est juste histoire de chauffer le corps, quoi. Voilà. Donc là, je vais essayer de les monter tout seul. Voilà, tu vas faire un balancier, ce sera beaucoup plus simple, et les emmener vers toi. Et moi, je placerai tes mains. Mais comment je peux faire pour que mes mains soient déjà placées? En fait, il faut être très rapide. Lorsqu'elles arrivent ici, toi, clac, tu rentres tes mains à l'intérieur. Mais il faut rentrer comme ça? Il faut rentrer de manière à ce que tu sois en contact avec la poignée de la kettlebell et ton poignet. Il y a tellement un milliard de trucs à apprendre. Ok. Un jour, tu viendras faire un stage de bench chez moi, histoire de galérer. Ouais. Galérer aussi. Avec je plaisir. Te donne 12 000 informations, je te dis, bah alors, démarre-toi maintenant. Donc, envoie-les en arrière pour donner de l'élan. Monte pas directement, en fait. Tu vois, tu fais ça, et ensuite, tu les fais revenir. D'accord. Mais là, je les prends comme ça. Non, tu t'avais juste à les jeter derrière, en fait. Oui, mais enfin, je les attrape normalement, quoi. Ouais, pour les attraper, okay. C'est bon. Donc. Mais juste, tu les envoies en arrière, voilà, et tu les ramènes vers toi. C'est beaucoup plus simple. Donc là, en fait, je vais juste les replacer. À gauche, c'est un peu mieux qu'à droite à chaque fois. Ouais. Voilà. Là, t'es bien calé, là, comme ça, ça tremblera pas. Voilà. Par contre, respire bien. Ouais. T'as 3 minutes, c'est un round de boxe, il faut que tu respires. Voilà, ça va être ça. Encore une, et puis on va passer à 24. Voilà, nickel. Pour les reposer, même principe, t'as deux genoux. Ah, autant que le je but, c'est que ça passe entre les jambes. C'est beaucoup plutôt plus que de faire une étape comme voilà. Je fais. Imaginons que j'en fasse 20, que je divise par 4, ça va. Je serais pas trop... Faut que je vise ça. Sauf que moi, je vais pas faire 10 minutes, là. Tu vas faire 3 minutes. Ouais, ok. Ouais, après, on multiplie et c'est en bon. Fait, si tu veux vraiment... Voilà, on fait un ratio. On a un coef. L'enculé, tu sais, il en fait la mort en 30 secondes. Mais regarde, si on multiplie, je l'ai battu. Il suffit juste d'être bon en maths, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je vais faire sur 3 minutes, quoi. Ouais, en fait, je t'explique déjà, pourquoi... Déjà, 3 minutes, les gens se rendent pas compte, mais 3 minutes d'effort, c'est extrêmement long. C'est un round de boxe. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un round de boxe. C'est pour ça, en fait, que je fais 3 minutes, parce que c'est à partir de 3 minutes que ça devient compliqué pour 90% des gens. Voilà, c'est vraiment à partir de 3 minutes que là, ils se disent, oh putain... Mais tu sais, des fois, dans les assistances qu'on fait, on va faire une minute, alors c'est une minute de tension, il n'y a pas de pause, on est d'accord. Mais tu vas faire, par exemple, une minute de corde ou une minute de trucs comme ça, c'est très long, tu vois, à tenir. Car ton muscle, il est épuisé, tu vois. Quand je vois des distances comme 10 minutes, ou alors après, bon, 3 heures, 4 heures, en fait, ça semble... En fait, si tu prends la donnée brute comme ça, tu te dis c'est irréalisable. Après, quand tu me montres, en fait, on comprend. En fait, c'est de la stratégie. C'est ça. Il faut que je me mette là, il faut que je me repose là. En fait, il faut aller chercher les appuis, les moins de contraintes, les machins, pour en exactement. Fait, faut économiser au maximum. Tout quoi. Est technique. C'est une question d'économie, vraiment. En fait, si tu veux, la partie technique... Pour un individu comme moi, qui n'a pas une bonne masse musculaire, qui n'est pas très costaud, c'est 60% du travail. 40% c'est le physique. En fait, c'est ça. En fait, le but, c'est de faire la meilleure perf avec le moins d'efforts, quoi. Finalement, il faut faire le moins d'efforts possible. Il faut réussir à avoir le plus de techniques pour pallier l'effort et que finalement, ton mais en fait, quand tu réfléchis bien, l'haltérophilie, ils cherchent à avoir
la meilleure technique pour avoir le moins d'efforts pour développer le plus. Bien sûr. Non, mais c'est pareil partout, même en power. Hein, exactement. Dire, la technique, en power, le but, c'est, ça fait mais, tout. Mais c'est vrai que là, c'est différent parce que comme tu vas chercher sur du long, c'est ta technique, elle va pas te servir à optimiser ton ta puissance ou quoi. Elle va te servir à te reposer finalement. Elle va te servir à tenir. Ouais, la c'est durée. Ça. Putain. Et la partie physique, elle te permet de donner l'intensité minute. C'est-à-dire que on va dire qu'on veut faire 100 reps, c'est 10 reps minutes. Donc nous, on se cale à 10 reps minutes. C'est-à-dire qu'on doit faire 10 reps toutes les 6 minutes. Donc, toutes les 6 secondes. Toutes les 6 secondes, on doit balancer une rep. Et pendant ces 6 secondes, on relâche le corps. Et ça, c'est quand tu fais sur quelle distance que tu fais ce genre de truc? Généralement, c'est tout. Après, il y a des stratégies différentes. Tu vas pas me dire que tu fais une rep toutes les 6 secondes pendant 3 heures, c'est pas possible. 3 heures, non. Non, non. Mais c'est largement jouable sur 30 minutes ou 1 heure. Ah ouais? On peut le faire. Une rep toutes les 6 secondes pendant 30 minutes? Il y en a qui sont stratégiques. Alors après, il y en a qui partent avec, si tu veux, un nombre de rep minutes plus bas et qui vont augmenter leur nombre de rep minutes arrivé vers la fin. Tu vois? Ah, ils font des sprints finales. Voilà. Généralement, c'est des sprints finales. Sur du double en 10 minutes, ça se fait pas. Ça se fait pas. Ça se fait plus avec une kettlebell parce qu'on a la possibilité de changer de bras, c'est beaucoup plus simple, tu vois. Ça aide vraiment. Quand tu changes et tout, tu reposes vraiment quand même. Parce que tu n'as qu'une partie du bras qui va travailler. Et finalement, le muscle, le gluti dans tout ça, c'est l'épaule. Hein. Mmh. Donc lui, il faut l'économiser au max. Quoi. Bah oui, surtout que c'est des petits muscles, on ne se rend pas compte. Exactement. Alors, on est chaud? On y va? Non. Je vais quand même te placer avant de démarrer. Hein. D'accord? Oui, je place bien tes mains. Ouais. Ok. Ok. Parce que normalement, le chrono, il démarre à partir du moment où tu les as décollé au sol. Voilà. Ok. T'inquiète, je suis rapide, moi je le déclenche dès qu'il est là. Ok, donc je les balance en arrière, vas-y. Je les on est d'accord. Hop, moi je place tes mains. Hop. Hop, t'es prêt? C'est parti, ouais. Rapproche. Top. Respire bien. Le temps en haut est idéal. Hein. Voilà, c'est parfait. Voilà, essaye de te détendre le plus possible. Là, tu vois, quand je pars sur l'extérieur... Respire bien. Utilise à fond tes jambes, tes mollets. Monte sur les pointes de pied pour utiliser les muscles des mollets. Voilà. Stabilise bien en haut. Voilà, détends-toi. Respire bien, reste sois pas crispé. T'as fait 10 reps et bientôt une minute. Ah tu vois, putain. Replace-toi. Tchac, remets-toi comme ça. Détends-toi. Non, je pense pas que je puisse tenir 3 minutes. Si, si, détends-toi, je t'assure. Si tu te détends bien et tu te concentres pas sur la douleur, ça va le faire. Mais utilise tes mollets. Utilise l'intégralité de ton corps. Ah, c'est pas grave, on compte. Essaye de te dire, j'utilise le bas de mon corps au maximum, d'accord? Mets toute la force que tu as sur le bas du corps. Je peux pas. Tu peux pas? Non, parce qu'en fait, j'arrive pas à trouver la phase de repos. 1 minute 30. Du bas. C'est compliqué. J'arrive pas à me placer. Parce que toi, en fait, de par ton manque de souplesse, il faudrait que tu sois comme ça, en fait. Et je peux pas, ouais. Ouais. Et en fait, du coup, en fait, en haut, tu luttes. Je comprends. Voilà. Où est-ce qu'il faut se placer? Mais dès que je suis en bas, je cherche. J'arrive pas à trouver l'endroit où t'as pas de contrainte. Tu voilà. Ça me, en fait, c'est mon dos. Quand je suis là, tout est retenu sur mon tout dos. Tout est en tension. Mais 1 minute 30 de tension sur le dos, bah, je tiens pas, tu vois. Et en fait, c'est là où... Il faut que je sois comme ça, c'est ça. Ouais. Mais j'arrive pas. En fait, le travail, tout le travail, en fait, est sur la souplesse pour arriver à être comme ça. Ouais. Et là, t'es détendu. Là, t'es en tension. Ouais. Tu vois. Donc, en fait, si tu veux, quand on regarde bien, ça demande plusieurs facultés physiques. Mmh. La souplesse, l'explosion, la puissance, l'endurance, le relâchement musculaire. Ouais. Mais la seule force pure ne suffit pas. Ce positionnement-là, je le. Ouais. J'arrive pas. Tu vois, même à le comprendre, j'arrive pas à comprendre comment tu t'es placé pour. En fait, pour te placer, il faudrait plus de souplesse dans un premier temps. Et il faudrait. Le truc, c'est que là, tu vois, quand tu es comme ça, là, c'est même plus une question de souplesse, c'est que là, mes deux pectorales voilà. se touchent. Exactement. Donc, qu'est-ce que je peux pas aller plus loin. Volume. Tu peux oui, pas. C'est ça. Voilà. Tu pourrais pas. Voilà. Parce que moi, j'ai de la souplesse d'épaule, parce que je la travaille et tout, en arrière. Mais en avant, là, quand je suis là, tu peux ni passer là, ouais. ni passer là. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Tu vois ce que je veux dire? Moi, ouais. que mes deux bras là se touchent, c'est impossible physiquement. Ouais. tu vois physiquement, tu pourrais pas, effectivement. Bah non, je vois pas à comment, tu vois, genre, je suis coincé, quoi. Tu vois? Même en mettant les épaules en antépulsion maximum, je peux pas aller plus loin que là, quoi. Alors, ce que je te propose,
c'est qu'on fasse un petit challenge swing. Ouais. Le swing, t'auras pas de problème. Non. Juste quand même, je vais te montrer et donner des conseils pour le swing. Et on se fait un petit challenge swing à 100 kg. Donc mon record perso à 100 kg, c'est 25 swings. D'accord. Mais là, c'est plus dans ton domaine, t'as plus de force, bah, y a pas de temps. Oui, non, parce que je suis pas un deadlifter. je pense que tu t'en sortiras beaucoup mieux, tu seras plus à l'aise. Ok. Ah ouais. On part plutôt. Alors ça, c'est pas du tout en compétition. Ouais, ouais, bien je sûr. Sais que ça. Mais c'est un exo d'assistance. Voilà, aussi. C'est un exo d'assistance et ça a plu aux gens. Donc alors le swing. Bon, la règle de base, mais ça je t'explique rien. Tu connais. Dos droit, flexion, d'accord. L'objectif, c'est d'avoir un mouvement. Alors, il y a plein de formes de swing, d'accord. Il n'y en a pas qu'une seule, d'accord. Il y a ce qu'on appelle le swing squat, où on va solliciter plus les cuisses, le backswing. Donc, je vais te montrer pour que tu comprennes mieux, en fait, ce que je te dis. Donc, le swing squat, ça, c'est un mouvement, en fait, où tu fais ça. Tu vois, tu travailles beaucoup plus les cuisses. Le backswing, tu laisses tomber les cuisses, tu travailles qu'avec le dos. Tu vois, là, mes jambes sont quasiment tendues, d'accord. Tu as le swing avec oscillation, celui-ci, que je ne vais pas t'expliquer, qui est très long. D'accord, à comprendre, mais qui est celui qui nous permet de tenir le plus longtemps possible et qui engage le plus de groupes musculaires. D'accord. Donc moi, ce que je vais te demander, c'est de faire un swing entre les deux, entre un swing squat et un back swing. C'est-à-dire c'est celui-ci. Marrant parce que c'est pas ce que nous, c'est pas ce qu'on fait faire au, quand tu fais faire un truc à un des lifters. Alors, je sais pas fais-moi si je vais voir arriver, justement. Parce que j'en fais jamais, tu vois. Mais en gros, tu vas chercher et c'est ça que tu fais. Tu comprends? Alors, en fait, le but, c'est que ça, ça bosse tu pas. Tu pousses avec ton dos, il bosse pas. Exactement. C'est juste de faire du passage dedans. Tu vas chercher. Voilà. Et alors, tu pousses avec ça. Tu vois. C'est un mouvement. Ça, c'est vraiment un truc de deadlifter. Hein. Ouais, ouais. Bah, c'est un swing spécifique. Ouais, c'est un, avec le. Mais il faut savoir une chose, en fait, c'est que l'engagement de la hanche est le même. T'es pas obligé de pousser ta hanche devant comme ça. L'engagement de la hanche, il restera le même sans que tu pousses comme un malade, en fait. Ouais, mais le truc, c'est que là, tu utilises tout. Tu vois ce que je veux dire? Mm-mm. En fait, là, en poussant, le but, c'est de réussir à faire monter. C'est pour avoir une jauge. C'est-à-dire que tu vas faire monter le kettlebell. Que avec ta hanche sans du tout tirer sur tes trucs et tout, et c'est comme ça que tu vois en fait à quel degré tu pousses, tu vois. Mais là le but c'est vraiment de le faire la plus grosse parfois. L'engagement de la hanche, voilà. Donc là, ce que je vais te demander, moi, c'est un swing en deux temps, très simple, d'accord. Tu vas l'envoyer en arrière, tac, et quand tu redescends, hop, voilà. Juste ça, flexion du... Tu vois, regarde mon dos, comment il fléchit. Dos droit, hop, flexion, et je monte. Okay. D'accord. Alors, une chose qu'il faut savoir, le centre de gravité sur le swing est sur le talon. Si jamais tu mets ton centre de gravité sur ta voûte plantaire ou sur, pire, sur l'avant, sur les orteils, tu tombes. Peu importe la force que tu as, tu seras déséquilibré, tu seras emporté sur l'avant. Il faut que tu fasses contrepoids avec la charge. Toi, tu te laisses tomber derrière. La kettlebell, non, c'est pas du bowling, on la jette pas devant, on veut la faire monter. Donc on fait contrepoids, on resserre les omoplates pour la rapprocher de nous et qu'elle redescende le plus près possible de nos parties. Plus elle va être loin, plus elle va nous attirer sur l'avant et plus c'est complexe. Mmh. D'accord ? Vas-y, essaye. Donc utilise plus tes jambes. Voilà. C'est ça ? Et ben voilà, je te demande pas plus. Juste ça. Sauf que là, toi, tu utilises beaucoup tes bras. Ouais, et on va monter en charge. Je de serrer les omoplates au maximum. Mais par contre, c'est ça, très bien. Ça, je sais bien faire. Ça, c'est très bien. On va monter en charge, il faudra utiliser un peu plus le bras. Plus les jambes. Ok. Donc, on chauffe, on monte en charge. Je te propose de passer à 40. Hein. Donc, pareil, hop. Tu peux fléchir comme ça et tirer en... C'est bien en fait de fléchir parce qu'en fait ça te permet de pouvoir mieux resserrer les omoplates et de la faire monter parallèle à toi. Ouais. Voilà. Mettons encore plus en arrière. Voilà. Ok, super. Allez, on monte en gamme. En fait, toi, tu mets juste ces doigts-là. Hein. Ce qui rentre. Ouais, c'est ces doigts-là. Ouais. Moi, je peux... Enfin, je comprends pas. Donc, fléchis d'abord les jambes quand tu l'envoies derrière. Toujours le dos en sécurité. Voilà. Alors, tu vois, tu sens un petit peu le déséquilibre. Ouais. C'est normal. Mais reste sur tes talons. D'accord. Faut que je pousse sur l'arrière, c'est ça. Voilà. Toi, tu... Voilà. Très bien. Très bien. Parfait. Allez, je me chauffe avec toi. On va le faire ensemble. Bon, là, on monte à 60 avec ça, et puis après, je vais bricoler la machine
pour qu'on puisse monter un peu plus lourd, parce que je pourrais pas prendre plus lourd en termes de kettlebell. Ouais, ouais. Bah, déjà 60 c'est lourd. Hein. Voilà, vas-y, chauffe-toi un petit peu à 60. Attends, je prends mon temps. Hein. Coupe pas ta respiration. Ouais. Inspire en montant. Très bien. Allez, on va bricoler la machine. Il y a un risque de perdre. Ouais, mais après je fixe et ça bougera pas. C'est juste le temps de chauffer, je peux pas les fixer avant quoi. C'est différent au niveau de la sensation là Un petit peu, ouais. Un petit peu, c'est le volume qui va. Un marque bien qu'elle. Ouais, c'est dur. Hein. C'est dur parce que c'est déjà l'impression que ça le poids il bouge avant vers l'arrière. Ouais. Je vais le fixer après. On passe direct à 100 kg et je le scotche, comme ça il bouge plus. Non, non, on si s'échauffe un peu à 100 kg. Si tu veux. Là, c'est dur de garder sa stabilité avec ça. Hein. Ah ouais. Toi, t'as l'habitude, mais... C'est pour ça qu'il faut être vachement appuyé sur tes talons et te dire... Ouais, il faut être appuyé à fond à l'arrière. Voilà, j'utilise tout mon poids pour balancer derrière. On peut pas le monter plus que ce que t'as fait là, c'est ça. C'est trop lourd. J'ai essayé, mais il y a plus de place pour mettre les disques. Non, non, je parle de le monter en hauteur. Parle pas en poids, moi. Ah, au on niveau pourrait, du mouvement. On pourrait, mais c'est moi, chaud. Ouais, c'est chaud, ouais. C'est ouais. Pas, t'as vu le bordel comme il est d'ici. Ah, mec, c'est moi déjà, je sais pas comment je vais faire pour me péter la gueule. Et c'est pas une vraie kettlebell, donc c'est un peu compliqué, quoi. Mais des kettlebells de 100 kg, ça existe? Non, parce j'en ai ça, vu. Ça fait des boules qui vont être trop larges pour passer entre les jambes. Ouais, hein. Ouais, le problème, j'en ai vu à 92, mais après, j'ai pas vu plus lourd, quoi. Et c'est difficile à trouver quoi, c'est pour ça qu'on... Il faut au moment que tu sais quand tu vois les Atlas Stone, tu vois pas, c'est les pierres en strong. Faire des pierres lourdes, c'est très très dur. Ouais. Même en mettant de la fonte dedans et tout, en fait à un moment le volume fait c'est ça le problème, on c'est a le déjà, volume. Quand on en coulait, avec mon ancien sponsor, il fabriquait de métal son mode, on en coulait avec des moules. Même en mettant du plomb dedans, en mettant des disques d'acier, etc. Tu vois, des trucs pas carbonés pour prendre le moins de place dans le béton. Faire des boules, tu fais des boules comme ça, t'arrives jamais à monter à plus de 100, tu vois, je veux dire 150 kg, t'arrives pas à monter plus parce qu'au bout d'un moment, ça, tu vois. Et d'ailleurs, les boules de 200 et tout, elles sont très très grosses, tu vois. Ah ouais, donc tu te dis faire une boule vraiment, même en, même, il faudrait une en acier, je pense, déjà. Ouais, même avec de l'acier au bout d'un moment. Mais parce que ça, c'est de la fonte. Celle-là, c'est de la fonte, celle-là, c'est de l'acier, c'est pour ça qu'elles sont plus. Voilà, je pense qu'en acier plein, tu peux peut-être réussir à faire une 200 kg qui soit pas trop trop grosse. Parce que quand tu regardes mes haltères de 82 kg, c'est des haltères en acier, ils sont plus petits que la plupart des haltères de 60 kg dans le métal, tu vois. Ouais, après, ça gros, dépend du métal. Ouais. Mais ça va, tu vois. Et au Metroflex Gym où je m'entraîne au Texas, là, à Arlington, il y a des haltères jusqu'à 125 kg, tu vois. Putain. Voilà, ça fait des trucs, ça fait des bazars longs comme ça, on va dire. Ah ouais, avec un truc comme ça de chaque côté. Donc tu vois quoi, c'est. Mais ça va, enfin ça va, non, à développer tout ça va pas, mais je veux dire à tenir en main au niveau de la taille et tout ça va, parce que quand tu fais que de l'acier ça réduit quand même. Mais bon, après au bout d'un moment tu vas décarter les jambes comme ça pour laisser passer la boule. C'est pour ça qu'il m'a bricolé ça alors. Bon. Ouais, mais c'est intelligent, ça pour le coup pour un power ça peut servir de ouf, tu vois. Bah je te donnerai son nom si ça t'intéresse. Respire, respire, inspire la montée. Stop, 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 stop. Juste. Par contre, si tu peux me la poser doucement pour pas te faire mal en plus, voilà. Ouais. Et pour la poser, il faut la poser comme ça. Ouais, tu me la poses sur le côté parce qu'il n'y a pas de pied. Elle va tomber, Mais viens sur le côté. Voilà. Ah, ça tombe forcément, ok. Je vais juste remettre un coup de scotch parce que je vois qu'elle. Ça va, ça bouge moins avec le scotch quand même. Ça bouge moins, ouais, mais. Ouais. Je vais quand même resécuriser le truc. Ce serait intéressant de faire venir un mec qui fait du 3 mouvements. Les 3 mouvements, ouais, ça pourrait être sympa. Mais un vrai, pas. un vrai athlète, un mec fort. Faudrait que je réfléchisse à un mec, je peux t'envoyer un mec vraiment fort. Ouais, ça serait intéressant. Bah ouais, parce qu'un vrai deadlifter, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, typiquement, un mec comme je te disais, comme Bolton, qui fait le truc, tu vois ce que je veux dire, qui fait le 4 en série. Lui, à mon avis, au swing, frérot. Ça pourrait être sympa. Ah ouais, ça pourrait être un mec super comme sympa. Ça, t'imagines un mec qui fait plus de 400 au terre? Ah ouais, ouais, bah là, il peut en faire un peu. Tu vois, il y a un exercice pour le terre qui font, c'est du good morning, tu vois, assis.
OK? Donc tu es assis comme ouais, ça, je connais, ouais. T'as la barre sur le dos et t'avances comme ça, OK? Donc là vraiment tu vas travailler vraiment qu'avec tes parts vertébraux et tes lombaires. Ouais, ouais. Konstantinov, c'est un mec, il est mort maintenant et qui était connu au soulevé de terre pour faire des soulevés de terre sans ceinture. Il a fait 412 sans ceinture, tu imagines? Putain. Ce mec là mettait 300 kilos sur le dos. Sur ça? Pour faire du good morning assis, poitrine contre les genoux. En plus, il faut être mobile au niveau des hanches. T'imagines? Ah bah de toute façon pour les powers, j'ai. Ouais. Donc le mec 300 kilos, il descendait comme un mec. Et il remontait, il faisait ses séries comme ça. Dingue. T'imagines un mec comme ça, ce qu'il peut arracher au sol. Ah bah il pourrait faire des trucs de mal. Ah, Il faire des ouais. Par contre, il pourra pas faire le truc parce qu'il nous reste parce qu'il fait 125 kilos, parce qu'il fait 125 kilos et qu'il pourrait jamais se positionner. Il faut le prendre sur ça. En 2 secondes. Ah bah tu peux le prendre sur n'importe quel truc d'endurance, il va congestionner en 2-2. C'est des masses, c'est des poids lourds en plus. Donc déjà moi, qui suis dans un poids moyen pour le power, tu vois le mal que j'ai. Les mecs qui font 150 kilos quoi. Non mais en fait, si tu veux, ça permet aussi aux gens qui connaissent pas vraiment. Entre guillemets, le sport, et qui, lorsqu'ils te demandent ce que tu fais, ils te disent combien tu fais au développé couché. Sauf que, oui, évidemment, c'est pas forcément la référence pour tous les sports. C'est plus pratique pour voilà. Moi. Et là, ça leur permet de voir, en fait, que. Oui, ça, non. Voilà, c'est autre chose. On n'est pas sur enfin, quand même, franchement, je pense que même un mec lambda, si tu lui dis. Je fais des épreuves où tu dois faire un truc pendant 3 heures comme tu fais et tout, ça impressionne tout le monde quand même. Bah, ce qu'ils me disent tout le temps, c'est moi, c'est pas mon truc l'endurance. Voilà, c'est ce qu'on me dit tout le temps en fait, comme si on était considérés comme des coureurs, tu vois, qu'on faisait ouais, que je comprends. On a une charge additionnelle quand même qu'on doit lever, même si c'est pas des charges excessives. Mmh. Et c'est ce paramètre en fait que les gens ne saisissent pas. Et surtout, ils font la comparaison avec le CrossFit où les gens posent le matériel oui, au sol. Oui, oui, ou le strongman. Voilà, et on ne pose pas nous. Et toute la différence, ah elle bah est là. Oui. C'est la pression de garder. Mais bien sûr. Typiquement, tu me refais faire le même truc et en je te dis pose quand tu veux. En posant à chaque fois. Tu fais une paire de je les tiens. Voilà. Je les tiens. C'est ça. Minutes. Puisque ce que j'arrive pas à faire, c'est justement d'être posé sans être posé. Exactement. Mais en sprint, c'est pareil, hein. Quand tu fais du log, etc., c'est posé à chaque fois. Voilà. Donc c'est. Tu fais des deadlifts d'endurance, du log et tout, tu peux poser quand tu veux. C'est pour ça que ça va être intéressant de recevoir aussi les strongman. Mais ils vont galérer comme moi. Je pouvais plus, je commençais à les jambes qui tremblaient. Ah le mec s'arrête. Là je croyais vraiment que t'allais faire 26 et dire allez c'est bon j'en ai fait non, j'ai lutté pour aller jusqu'à 25 ah ouais. Là. Ouais. Ah ouais mec. Là c'est mes jambes en fait qui ont foiré. Elles même le souffle il faut hein, parce que c'est t'as des brefs instants pour respirer donc. C'est ça ouais. Donc réussir à avoir à emmagasiner l'oxygène qu'il faut c'est dur. C'est dur. Prochaine fois je te fais 26. Je fais une vidéo juste arrête, pour toi. T'arrêtes à 26. Tu m'enverras. Regarde 26. Bah tu peux les faire parce que si t'arrives à faire 25 comme ça, sans être trop, tu vois. Bah je voulais pas en faire une dégueulasse en fait. Ouais. À toi gros. Super, j'aurais mets-toi bien sur j'aurais l'arrière. Dû passer avant je crois. Mets-toi bien sur l'arrière. Joue bien avec ton poids de corps. Ouais ouais. Ça va pas être. Mets-toi plus en arrière. Voilà. Plus en arrière aussi. Yes, nickel. Allez. 11. Plus en arrière. Ah, putain. Ah, dommage, ouais. T'aurais pas perdu l'équilibre, ouais. Tu continuais. Ah, je sais, mais bon. Ah, c'est dur de garder l'équilibre. Ouais. C'est dur. C'est vraiment c'est le centre de gravité fait tout le travail. En haut, je suis à l'aise parce que j'arrive à bien serrer. Tu t'arrives à récupérer. En fait, le passage de position, en gros, c'est parce que tu dois être sur l'arrière, mais après, quand tu arrives en bas, il faut quand même que tu t'avances. Tu vas finir. Ouais. Donc, ouais, sur ton pied, ça fait ça comme ça. C'est dur quand même. C'est le avant, centre de gravité. Tu désynchronises, quoi. Si t'en rates une, t'es mort. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est exactement ça ce qui s'est passé. Si t'es désynchronisé sur une rep, ouais. C'est marrant. Parce qu'on voit que la force, elle y était et tu commençais même à oui, oui, être encore mieux. Parce que j'arrivais à être plus synchro. Et voilà. Il y a eu juste un moment donné, ouais. Où les pieds, ils étaient pas comme il faut. C'est ça. Ça a perdu le bordel. Ouais, ouais, tu peux pas être. Et ben en fait, dans notre sport, c'est ça. T'en foires une. Ouais, t'es mort. Tu vas en perdre, je sais pas combien. Ouais. 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 Ça me fait plaisir que tu sois venu déjà
C'est sympa de ta part d'avoir fait tout ce trajet, parce que ceux qui ne le savent pas, tu viens quand même de loin. Ouais. Donc, c'était rapide, mais ça va. Tu as fait tout le trajet et au moins tu t'es prêté au jeu sur une discipline qui est opposée à la tienne. Ah bah là, oui, c'est clair. Là, et ça, moi, c'est vraiment une mentalité de champion. Tu vois, bah, merci, mec, c'est gentil. Ouais. C'est ce que j'apprécie. C'est gentil, mais c'est toujours intéressant de découvrir. En plus, moi, j'en profite quand je suis pas en prépa. Tu vois, tu m'aurais dit de faire ça. Ah bah quand oui. Je ferais un combat, je t'aurais dit c'est mort parce que si je me froissais un truc, ah ouais, tu vois. Mais c'est surtout que là, t'as des histoires d'équilibre, machin, il y a quand même moyen de se blesser. Là, à cause de la période, il n'y a pas de compète, donc c'était l'occasion, tu vois. Et franchement, bah déjà, je comprends mieux ta discipline. Là, au moins, je pense que je l'ai même comprise, mais sans bien la connaître. Sûr. Je veux dire, j'ai compris le truc, je vois vos stratégies d'engagement, etc. Je comprends ce qu'il faut faire. Et bah, en fait, ouais, c'est ce que c'est tout paraît logique, quoi. Tu vois, c'est-à-dire tu peux pas être au four et au moulin, quoi. Voilà. Tu vois, ouais. Tu peux pas être comme moi et être comme toi. C'est impossible. Et l'inverse, c'est pareil. Hein. Ouais. Non, on peut pas faire les deux. Là, ce qu'il faut faire pour être performant dans ton sport, c'est vraiment un exercice de. C'est un travail minutieux, quoi, tu vois. C'est te dire, vas-y, je suis dans le bon timing, voilà, dans le bon positionnement, etc. Et il faut que je garde ça. C'est un petit peu un. Tu sais, un. Comment on dit? C'est un peu de l'horlogerie, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, il faut tenir tout ce petit système engagé pendant il faut que ça une longue période. Et s'il y en a un qui tourne mal, tout se dérègle et c'est mort, quoi. Il y a un écrou qui pète. Exactement. Et c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Mais je pense que c'est un travail qui demande énormément de répétition. Non, c'est énormément de tonnage à la semaine. C'est ça. Et énormément. C'est du drill, en fait. Voilà, faut driller devant une glace pour voir ton image. Les sensations, la visibilité, coordonner respiration avec mouvement, etc. Et puis en plus de fois, et ben qu'est-ce qui se passe? T'as pas de jambes ce jour-là, il faut changer la technique. Parce que la technique habituelle qu'on a, qui va solliciter un peu plus les jambes, ce jour-là on ne l'a pas, il faut changer notre technique. Donc en fait, il y a tout un tas En fait, on a une caisse à outils technique. Et on prend la meilleure technique, donc le meilleur outil en fonction de la situation. Ouais, bien sûr. Donc il y a une part d'improvisation, de stress aussi. Parce que t'as vu le stress que t'as ressenti quand tu te disais, mais putain, mais je suis pas bien, je suis en tension. Ouais, tu cherches et tu te perds. Et ben ce stress-là, même nous, si on est en parfaite position, on l'a. On l'a parce qu'on n'est pas dans le timing, parce que le mec à côté, il va plus vite. Parce que... Ouais. Donc du coup, il y a cette gestion du stress sur la durée aussi qui rentre en compte, qui fait... Moi, les trois difficultés principales que je perçois en venant de moi, de ce que je fais vers ce que tu fais. D'une, c'est justement de gérer un effort sur la durée. Mm-hmm. Évidemment, moi je me prépare 6 mois pour un exercice qui dure quelques secondes. Ouais. C'est du sprint, hein, ce que je fais basiquement. Et encore, même un sprint, c'est autour de 10 secondes, tu vois ce que je veux dire. Moi ce que je fais, ça dure vraiment quelques secondes et après c'est fini. Donc déjà, il y a ça, comme tu dis, cette gestion du stress et tout, c'est pas du tout la même. Mm-hmm. Moi je me dis, c'est maintenant et après. C'est mort. Quand j'arrive devant ma barre, tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que j'ai qu'un essai, j'ai que quelques secondes et tout, et après, je suis mort, tu vois. Voilà. Toi, ce qu'il faut te dire, c'est OK, ne chauffe pas, ne déraille pas avant 10 minutes c'est ou quoi, ça. Tu vois. Donc, c'est déjà une gestion différente. Ensuite, il y a une énorme partie du travail se fait avec les jambes et le bassin, qui est forcément ce que moi, j'utilise le moins en tant que spécialiste du bench. Tu vois, je pense que quelqu'un qui vient du 3 mouvements sera beaucoup plus à l'aise que moi. Ouais. J'ai pas une très bonne proprioception de mon bassin et tout. Donc, le travail que je fais, de mise en tension, de proprioception, de connaissance, il se fait surtout sur le haut du corps et donc forcément c'est là où j'étais le moins à l'aise. Et le troisième truc, c'est ce positionnement. En fait, c'est d'aller chercher des appuis sur des endroits qui pour moi sont plus accessibles avec la morphologie que j'ai développée. Oui, c'est ce qui a posé le plus de problèmes. Enfin, moi, c'est vraiment les trois difficultés que je perçois en venant de ma discipline. C'est ça. Et je pense qu'il y a des... Il y a des transferts d'une discipline à l'autre qui peuvent se faire plus facilement. Je pense que quelqu'un qui fait par exemple, qui fait de la boxe, on en parlait tout à l'heure, qui fait des sports de combat comme ça, qui a plus l'habitude de transférer sur ses points. Exactement. Et tout, alors avec un long, long travail, il aura déjà une morphologie qui ne sera pas, il sera pas emmerdé. Il aura des prédispositions. Il aura des prédispositions, je pense, plus. Voilà. Mais comme un haltérophile aura des bases. Ouais, voilà. C'est clair. Mais tu vois, j'ai un haltérophile. Mais après, l'haltérophile, le problème, c'est que c'est comme nous. Là, il a trop drillé un truc. Et pour lui sortir ça de la tête, t'aurais le même problème si tu devais faire de l'haltéro, je pense, ou quoi. Un haltérophile justement que j'ai pris récemment, qui est très bien, qui s'appelle Yann. D'ailleurs, si Yann, tu vas regarder cette vidéo, qui s'intéresse vachement à la technique et qui était très bon sur l'international en haltérophilie. Et là, si tu veux, la technique, il l'a assimilée vite.
Mais le problème, c'est de ce gestion dans la durée qu'il a du mal. Parce que lui, c'est une rep. C'est comme moi. Tu vois ? C'est comme moi. Et du coup, c'est pareil. Pour lui, c'est pas lourd. Ouais. Mais il se dit, putain, mais la position de rack le rend fou. Ah, tu vois, ouais, ça, le rend fou. Ça, c'est lourd. C'est compliqué pour lui, tu vois. Mm. Donc, en fait, il faut en fait plein de paramètres. De la souplesse, de l'explosivité, de la puissance, de l'endurance, de la gestion du stress, de la gestion, tu vois, plein de petits paramètres qui font ce sport. C'est pas une seule chose. Et après, en fait, ce qu'on vient de faire là, ça prouve entre guillemets que ta discipline, c'est justement une discipline à part entière. C'est et ça. En fait, quand t'as une discipline à part entière, ben en fait, tu ne peux juste pas en faire si t'es pas de cette discipline. N'importe quel sport est comme ça. Tout le monde va nager quand on va à la mer, quand on joue avec des potes dans une piscine et tout. C'est pas pour autant qu'on est nageur, qu'on pourrait exactement être nageur, parce que c'est une discipline. Et si vous voulez être nageur olympique, il faut faire que de la nage exactement olympique. C'est et en fait, pour je crois que c'est valable pour tous les sports qui sont des vrais sports. Tu vois, et là, je pense que le kettlebell, tu prouves justement que voilà. C'est pour ça que je voulais le c'est prouver. C'est un vrai sport et on peut pas juste en venir ayant des gens capacités très forts comme toi, tu ouais vois. Oui, mais ça sert à rien. Ma force, elle est pas utile dans ce sport. Quoi. Parce que toi, t'as l'intelligence de le comprendre en fait. Mais la plupart des gens qui regardent et qui comprennent pas forcément non plus ta discipline, quand tu dis que ça travaille le corps entier, eux, ils vont voir peut-être que les pecs. Oui, bien sûr. Là, ils vont peut-être pas voir forcément le truc. Et ben, en faisant venir des gens comme toi, on a une explication d'un champion d'une autre discipline qui lui va donner un avis vraiment objectif parce qu'il a essayé. Et c'est l'intérêt de ces vidéos et c'est ce qui permet de faire comprendre aux gens, attention, vous n'allez pas arriver en une semaine, vous allez être champion. Il y a un gros travail à faire. C'est une vraie discipline. Quoi. Et c'est un vrai sport, c'est pas un jeu et c'est pas du crossfit comme beaucoup pensent. Non. Ça n'a rien à voir. C'est clair. Ouais. Bah, écoute, je t'invite à continuer ce que tu fais, à inviter d'autres athlètes et surtout essayer d'aller chercher des mecs dans des disciplines vraiment différentes. On va essayer d'avoir plein de gens de mondes différents pour qu'on ait un point de vue sur plein de sportifs différents et même des gens qui ne sont pas forcément des compétiteurs. Ou, non, mais c'est vrai, dans capacités physiques différentes, voilà, des physionomies différentes, ça qui vont pouvoir venir et tester et faire grandir cette discipline. Okay. Voilà. En tout cas, Baptiste, moi je te remercie vraiment. Et puis, la chaîne, c'est Bench & Cigar, d'accord ? Tous les jeudis, personnellement, je suis. Je vous dis la vérité, c'est pas du blabla. Hein. Je le dis réellement, moi, tous les jeudis, je suis depuis le début de sa chaîne. Il y a des choses hyper intéressantes, et pas seulement autour de la bouffe. Ouais. Il y a vraiment des choses hyper intéressantes. Il fait plein de choses différentes. Il va voir plein de gens, notamment quand tu es allé voir les chasseurs, tu as monté une croix aussi. Ouais, on fait des choses très, très variées. Il fait plein de choses variées. Je pense que c'est quelqu'un qui, pour notre pays, apporte beaucoup. Alors allez au moins sur sa chaîne, abonnez-vous, ça coûte rien. Et puis vous me ferez plaisir et vous lui ferez plaisir aussi. Bah, merci beaucoup. Et moi, je te remercie d'être venu, Baptiste. Ouais, on espère en rebosser bientôt ensemble. Avec plaisir. Pourquoi pas sur ma chaîne. Avec plaisir.